Chaque semaine, des centaines de migrants arrivent en Europe, à la recherche d'une vie meilleure. Malheureusement, certains meurent ou disparaissent en chemin. D'autres ne parviennent plus à contacter leur famille. Leurs parents, leurs frères, leurs enfants ignorent donc s'ils sont toujours en vie. Aussi, chaque jour, partout dans le monde, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'efforce de renouer les liens entre ces familles séparées. Pour ce faire, 23 pays européens ont ainsi mis en place un outil unique de recherche en ligne appelé Trace the Face. Sur le site internet www.tracetheface.org, les personnes à la recherche de migrants disparus lors de leur parcours d'exil peuvent mettre en ligne une photo d'eux-mêmes. Il y a à ce jour plus de 300 photos de personnes à la recherche de leurs proches sur ce site internet. Si vous recherchez un membre de votre famille en Europe et que vous souhaitez utiliser cet outil, nous vous invitons à contacter le bureau de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge le plus proche. Votre portrait sera ensuite mis en ligne sur le site Trace the Face, visible partout dans le monde. De plus, ces photos seront affichées dans les bureaux des Croix-Rouges et les lieux de passage des migrants dans toute l'Europe. En utilisant Trace the Face, vous augmenterez ainsi vos chances de retrouver votre famille, qui peut-être vous recherche également. Bien entendu, les seules informations rendues publiques sont votre photo et la nature du lien de parenté avec la personne disparue. Toutes les autres informations vous concernant, comme votre nom et votre lieu d'habitation, restent confidentielles. Les services de recherche de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent vous aider à retrouver votre famille.